Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui, je vous parle de Dragman, une BD de Steven Appleby. Alors, c'est une histoire de super-héros, comme laisse présager la couverture, n'est-ce pas? Et donc, le super-héros, il s'appelle Auguste Crimp, et un jour, il achète un nouveau canapé, et dans ce canapé, il trouve un bas nylon. Il se dit, tiens, bah, je vais l'essayer, ma foi, pourquoi pas? Et en l'essayant, il se met à voler. Et là, il découvre qu'en fait, quand il s'habille en femme, il a des super-pouvoirs. Alors, ce super-pouvoir, il le laisse un peu perplexe, parce que, bah, évidemment, il est obligé de se travestir pour avoir des super-pouvoirs. Et bah, il n'ose pas trop. Parce qu'il sait pas à quel moment il a le droit de s'habiller en femme, tout ça. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'au moment de se changer, bah, ça lui prend des heures. Pire qu'une vraie meuf qui se transforme, enfin qui s'habille. Donc il sait pas trop comment l'utiliser. Mais un jour, bon, pendant qu'il se baladait habillé en femme, un endroit où personne ne le connaissait, parce qu'il a quand même un peu honte du regard des autres, il voit une petite fille en fait qui tombe du toit. Et du coup, il est obligé de montrer ses pouvoirs pour la sauver, quoi. Donc il est perplexe à cause de son pouvoir, parce qu'il est obligé de se travestir en femme et qu'il se dit que c'est probablement pas très très bien vu du reste du monde. Mais il va un peu se décomplexer en rencontrant d'autres super-héros qui traînent dans des clubs où on a l'habitude de se travestir. Donc de se travestir en homme, en femme, en chien, en n'importe quoi en fait. C'est juste être en accord physiquement avec ce qu'on pense être intérieurement. Un jour, il lui arrive un truc et il se dit, bon, je raccroche, j'en ai marre, de toute façon, je me sens pas à l'aise avec cette histoire d'être habillé en femme et tout ça. Et à partir de là, il rencontre une femme dont il tombe amoureux, ils vont avoir des enfants et tout, mais un jour, son passé va le rattraper. Et il sait pas s'il peut vraiment en parler avec sa femme, à quel point elle est open et qu'est-ce qu'elle en penserait, du fait, premièrement, qu'ils soient un super-héros et ensuite qu'ils se travestissent en femme. Et après, c'est une vraie enquête, donc il y a un vrai meurtrier, enfin, un vrai meurtrier, il y a un meurtrier qui tue plein plein de gens, essentiellement des travestis, donc Dragman va enquêter avec sa copine Dog Girl pour retrouver le meurtrier. Dans la BD, il y a deux récits. Il y a d'un côté Dragman qui explique sa vie, ses aventures, son passé, son futur, ses interrogations, etc. Et au milieu de ça, donc sous forme de BD, et au milieu de ça, il y a le tueur qui parle. Et lui, c'est pas une BD, c'est juste des pages de roman en fait. Et le ton est totalement différent. Autant Dragman, il est drôle. Autant le meurtrier, il est vraiment hyper noir et il fait un peu flipper quand il écrit, quoi. C'est une vraie enquête, c'est plein de rebondissements dans tous les sens, c'est hyper bien écrit, c'est très très drôle, c'est super. Voilà.